Calendrier de l'Avent, artistique et sonore. Un jour, un artiste, un cadeau sonore. Aujourd'hui, un cadeau de Max Legoubet, metteur en scène, interprète et marionnettiste pour la compagnie Sans Souci, basée à Caen. Je suis comme un jukebox. J'ai des musiques à faire sonner, des histoires à raconter. Non, non, pas toutes. Vous ne les entendrez pas toutes. Le hasard ne suffit pas. Vous devez faire des choix. Ce sera votre playlist, la vôtre, rien qu'à vous. Une pile de possibilités. C'est vous qui choisissez. Une salle d'attente pour micro-sillon. Une file indienne d'objets décomposés qui composent tout de même quelque chose d'organique. Pas explicite. Pas explicite. Une précision toutefois. Dans une heure, je partirai. Aux 12 coups de minuit, comme Cendrillon, je m'évade et je remballe. Et peu importe si mon histoire est inachevée, je remballe, comme ça c'est dit, comme ça c'est fait. Bien. Attention, le temps passe, le temps presse. Choisissez que je puisse commencer. Ah, j'allais oublier. Comme je suis un jukebox, une petite pièce pour commencer. Que l'énigme surgisse, que le trouble s'installe. Je veux être seul, devenu un homme secret. L'aspect de la ville a totalement changé. Je trace un cercle partout. Qui suis-je ? Dans mon cercle, on a plusieurs machines qui ramassent et enterrent les cadavres. Quelle horreur ! Je peux plus m'arrêter. C'était un cadeau sonore de Max Legoubet, en collaboration avec Stéphane Fauvel. Extrait du spectacle Todd, théâtre d'objets décomposés. Dans le cadre du calendrier de l'Avent artistique et sonore, un projet imaginé par Élodie Guézou de la compagnie AMA, en collaboration avec le Centre culturel Julio Bonnat de Lillebonne et l'Odia Normandie.